it's just you. Well, times can be tough. Comment aider une femme à avoir son premier zéro orgasme? Comment avoir un orgasme? Voici la question que se posent des milliers de femmes. C'est un plaisir qui n'est pas facile à atteindre pour un bon nombre d'entre elles. Certains hommes ne savent pas comment utiliser leurs atouts pour que leur partenaire atteigne l'orgasme, mais ce n'est pas chose impossible. Vanessa Marin, une sexologue réputée, a mis à la disposition des hommes 8 mesures à prendre pour aider leur partenaire à atteindre le Saint Graal. Suite à une étude effectuée par Vanessa Marin, sur la capacité des femmes à atteindre l'orgasme, il en est ressorti qu'elles rencontrent beaucoup de défis et de blocages pour atteindre le point culminant. Aussi, elle a mis au point des techniques pour aider les femmes à lâcher prise et à se détendre pour se laisser aller vers l'univers enivrant du plaisir. Voici pour vous, messieurs, les 8 étapes pour aider votre partenaire à atteindre l'orgasme. Ne lui mettez pas la pression. L'une des principales frustrations que rencontre la femme lors d'un acte sexuel est la pression exercée par son partenaire pour atteindre l'orgasme. De ce fait, la femme aura l'impression de ne pas être performante. C'est le facteur de blocage par excellence. Conseil: n'abordez pas le sujet de l'orgasme avec elle. Mettez-la à l'aise avec des paroles apaisantes en lui montrant que le plus important est qu'elle sente du plaisir à faire l'amour avec vous. Faites d'elle votre centre d'intérêt. Une femme aime être le centre d'attention et d'intérêt de son homme et de sentir son souhait de lui procurer les délices du sexe. Cependant, beaucoup de femmes n'ont pas cette chance. Conseil: portez attention à son corps et soyez habile par votre communication en lui faisant comprendre que vous faites passer son plaisir avant le vôtre. Faites en sorte qu'elle se sente bien dans son corps. L'une des raisons pour lesquelles il peut être difficile pour une femme d'atteindre l'orgasme est la gêne par rapport à l'odeur et au goût de son organe génital. Conseil: rassurez-la et mettez-la à l'aise, en lui faisant des compliments sur la beauté de son organe, son goût. Redonnez-lui confiance en elle et faites-la sentir comme une reine et que vous pouvez vous perdre entre ses jambes. Flirter avec elle. L'une des plus grandes erreurs que commettent les hommes est d'aller très vite en besogne et de vouloir passer rapidement à la pénétration. La plupart des femmes aiment prendre leur temps avec des préliminaires, des baisers et des caresses. Conseil: passer beaucoup de temps à effleurer son cou de baiser, à lui embrasser les cuisses et à frôler ses sous-vêtements avec vos lèvres, jusqu'à ce qu'elle vous supplie de vous aventurer entre ses jambes. Caresser son clitoris. Un homme doit comprendre que le clitoris de la femme est plus délicat que son pénis. Ainsi, il doit être manipulé avec beaucoup de douceur et de finesse.
La brutalité ne fait que rendre son clitoris insensible au plaisir. Conseil: comme le clitoris est le centre de l'univers orgasmique de la femme, faites en sorte de le stimuler avec habileté. Utilisez vos doigts, votre langue ou les deux pour le caresser. Avec votre langue, essayez de faire des mouvements ronds. Elle vous en remerciera. Demandez-lui ce qu'elle aime. Une femme a besoin qu'un homme soit aux petits soins avec elle et qu'il soit attentif à ses besoins. Conseil: ne lui demandez pas ce qu'elle veut, vous ne ferez que la mettre dans l'embarras. Il sera plus intelligent de lui demander entre deux vitesses ou deux pressions, quelle en serait sa préférence afin qu'elle vous mette sur la bonne voie. Soyez patient, les femmes mettent environ 20 minutes pour atteindre l'orgasme. L'homme doit maintenir une cadence lente et être patient tout en continuant à la faire sentir à l'aise. Conseil: si vous voyez qu'elle commence à s'impatienter, rassurez-la et dites-lui que vous adorez cela et que vous allez continuer jusqu'à ce qu'elle vous demande d'arrêter. Amusez-vous bien, le plaisir sexuel, c'est d'abord s'amuser. Il ne faut pas hésiter à explorer plusieurs plaisirs sensoriels à votre partenaire. Optez pour toutes sortes de jeux, que ce soit avec des gadgets ou des jeux de rôle, si elle aime ça. Il n'y a pas mieux que d'avoir un partenaire enthousiaste. Elle sera en mesure de se détendre et de se laisser surprendre par le plaisir. Un homme doit être en mesure de répondre aux besoins et aux désirs de sa partenaire. L'ouverture d'esprit en matière de sexe est primordiale et tout ce qui pourrait exciter votre dulcinée doit être pris en compte pour son épanouissement sexuel. Vous serez son premier orgasme, son favori.